Hello tout le monde, ici GamersKing pour ce nouvel épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Comme d'habitude, l'épisode était censé sortir un peu plus tôt. Pardonnez-moi, je baille. Un peu plus tôt, j'ai pas pu le sortir plus tôt à cause qu'ils avaient plus de place sur mon disque dur, donc j'ai dû faire le petit ménage. Le record a coupé, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, l'épisode va sortir. Ne vous inquiétez pas. Et dans le dernier épisode, on a tout simplement fait de la next, entre guillemets, en fait. On a été cherché Epona. Ça, c'est de l'annexe. Et le grappin, qui est pas vraiment annexe, qui est important pour la quête principale. Puis c'est tout, je pense. Oui. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre qu'on avait fait. Voilà. Bon, là, on est rendu dans un monde post-apocalyptique. Apocalyptique pratiquement. Donc depuis que Ganondorf a envahi ce monde, donc c'est rendu tout simplement c'est rendu un enfer, la citadelle d'Hyrule. Et puis, on a Epona. Viens ici, ma belle petite humain. On va aller écouter les conseils de Sheik qui nous a demandé d'aller dans une profonde forêt pour le premier temple. Donc, c'est parti. On peut s'en douter, c'est où la profonde forêt? C'est tout simplement la forêt Kokoriko. Kokiri, pardonnez-moi. Ça m'arrive souvent de les confondre, mais c'est pas pareil. Voilà, la forêt Kokiri. Non, redescends Link. Merci. Donc, allez, c'est parti. C'est par là-bas. Voilà. On va voir la forêt Kokiri. Depuis qu'il n'y a plus vraiment l'arbre maudit. Mozo. Voilà. Depuis qu'il n'y a plus l'arbre Mozo, il y a des mobs qui ont popé un peu partout. Puis on va aller parler au... Regardez cette grosse plante, cette sculpture-là là-bas, cette toctorote. Voilà, dégage. Cette toctorote. Voilà, c'est vraiment envahi de mobs. Même devant la maison de Link. Là, on va aller parler aux villageois. Avez-vous beaucoup de voyagé, monsieur? Avez-vous déjà rencontré un garçon nommé Link? Mido a raconté à tout le monde que Link a tué le vénérable arbre Mozo. Il n'y a que Sariah pour dire le contraire. Enfin, quand Sariah était encore parmi nous. Qui peut savoir la vérité? Mais c'est nous, Link, elle ne nous reconnaît pas. C'est assez étrange. Puis surtout, vous pouvez remarquer que tous les Kokiri n'ont pas grandi. Pourquoi une fée vous suit partout? Vous n'êtes pourtant pas un Kokiri. Vous êtes entré dans la forêt sans problème. Les monstres ne vous ont même vous ont pas attaqué du temps du vénérable arbre Mozo. Vous n'auriez pas vu de pareilles nuances dans le coin. C'est super dangereux dehors, alors je reste cloîtré chez moi, je m'ennuie. Voilà, on apprend que c'est à cause que le vénérable arbre Mozo est mort, tout simplement. C'est pour ça que il y a plein de monstres dans la ville, puis ils se demandent
Pourquoi une fille ne suit partout, n'est pas un coquerie, c'est assez bizarre. Vu qu'on a grandi, on est arrivé dans le... On était dans le village coquerie au début du jeu. Donc on va en apprendre sûrement plus plus tard. Et c'est par là qu'il faut qu'on aille. Ouais. Et là, il y a Mido, salut. Mais qui êtes-vous? Votre habit coquerie ne marche pas. Je ne suis pas né de la dernière gribouillée. C'est bizarre. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Bon, ok. Là, il faut tout simplement... En fait, elle a prononcé le mot Saria. Le nom Saria. Donc, on sait qu'on doit jouer le sang de Saria. Comme ça. Voilà. Comme ça, elle va nous laisser passer, sûrement. Je pense. Cette mélodie. Saria, la jouait tout le temps. Vous connaissez Saria? Cette chanson? Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Mais je suis l'autre. Mais tu me reconnais pas? Bon, ok. Voilà, on peut voir que personne nous reconnaît. Mais vraiment personne. Je connais le chemin par cœur, ça se voit un petit peu, je pense. Voilà, on est rendu dans le bosquet sacré. Et là, il faut qu'on fasse attention. Voilà, à partir d'ici, nous allons emprunter des trois passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendrais quelques monstres. Bon, ok, on sait comment viser, ça fait comment, on est rendu à l'épisode 12, laisse-nous. Oh là là. Pardonnez-moi si je baille. Je baille toujours. Oh là là, Navy. Ah! Nous empaler. Voilà, il y a ces monstres-là qui ont remplacé les pestes modio quand on était jeunes. Des gros monstres qui nous empalent si on fait trop de bruit derrière eux. Voilà, crève, salaud. Mais pardonnez-moi. Je me suis laissé emporter. Regardez, il se rapproche. Allez, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, on l'a piqué les fesses. Pauvre petit. Ça, je pourrais pas être trop loin. Non, trop loin. Allez, allez, rapproche. Non, je peux pas. C'est vraiment de dos qu'on peut. On reste comme ça, il nous verra pas. Allez, en mode Metal Gear solide. Parfait. Tu es mort, rip-toi. Est-ce qu'il va passer comme ça? Peut-être, je sais pas. Qui sait? Ils sont aveugles, les ennemis comme ça. Il est où? Ça me stresse. Il n'a pas hacké. Lui, par contre. Allez. Voilà, parfait. Il y en avait un là. Ok. Et par là, est-ce qu'il y en a un? On dirait pas. Parfait. On est arrivé au bon port, on est arrivé à la bonne destination. C'est parfait. Et on fait attention à ça. Bon, lui, il est assez facile à éviter. Voilà, on le tue comme ça. Crève. Voilà. Il est mort.
Parfait. Bon, on s'est fait 30 rubis, mais ça ne servait à rien. Donc, c'est parti pour une cinématique avec... Vous allez voir. À chaque fois qu'on va être proche d'un temple comme ça, on va voir ce qui apparaît. Bon, c'est pas vraiment du spoil. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais ne peut la personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, joue le menuet des bois. Voilà, on apprend une nouvelle mélodie, c'est tout simplement le menuet des bois, c'est une mélodie de téléportation qui va nous permettre de se téléporter ici. C'est pour ça qu'il est extrêmement différente des autres, si vous voyez. C'est pas une musique qui se répète, donc c'est une musique, pour ça que c'est dans les musiques de téléportation, j'ai envie de dire. Peut-être. Link, à très bientôt. Voilà. On a terminé et on peut rentrer tout simplement dans le 4e donjon. Yeah! Bon, le grappin c'était vraiment pas annexe parce que vous voyez qu'on en a besoin ici. S'ils arrivent à viser, voilà, pour pouvoir rentrer dans ce donjon. Donc c'était vraiment pas annexe. Et on est rendu dans le temple de la forêt. Bon, je vais monter en haut, je vais essayer en tout cas. Je garantis rien vu qu'il y a des sculptures là qui peuvent me faire tomber. Ou pas. Ouais, les sculptures là m'ont pas fait tomber. Il fallait faire attention parce que les sculptures là pouvaient me faire tomber. Lui, je vais le tuer. Voilà. Il y a du sang vert, c'est assez rigolo. Bon, ça c'est un peu, c'est dû à de la censure, il me semble. Parce que le sang à la base était rouge. J'ai déjà joué au jeu avec le sang rouge. Mais bon, c'est vraiment dû à la censure, il me semble. C'est sur émulateur aussi que j'ai pu y jouer parce qu'il faut vraiment être censuré de l'avoir le jeu. Avec le sang rouge, il me semble. Fais attention, tombe pas. En fait, je peux le tuer. Est-ce que je vais le tuer? Voilà. Puis, on a une autre en haut, je l'avais même pas vu. Ben, je viens de la voir, mais bon. Et on a une clé, donc c'était assez important pour la suite. Donc, on peut tomber. Voilà. Bon, ça c'est assez simple. On n'avait pas le choix de toute façon de... Ah oh. On n'avait pas le choix pour pouvoir passer. Vous pouvez voir. Il y avait une porte avec une clé, donc... Est-ce qu'il y a une sculpture là quelque part? Ah non, c'est l'autre côté, je pense. Bon. Il y a des fantômes qui viennent voler des flammes. C'est triste. Mais là, c'est ça, notre mission, c'est d'aller récupérer les quatre flammes. Donc, c'est assez simple. On va voir si on ramasse l'objet du donjon aujourd'hui, puis on se laisse là. Ça pourrait faire un gros épisode. Je l'ai buté avant. Voilà. Parce que je sais qu'il y avait une sculpture là que j'ai ratée. Voilà, la petite sculpture là. Parfait. Donc, on peut continuer. La musique est assez glauque. Bon, on continue. Je crois qu'il y a une clé là qu'on pourrait avoir.
Voilà. Le sang du temps, je le connais par cœur à cause de Majora Mask, vu que c'est le même sang, donc... À un moment donné, on le connaît par cœur. Bon, le sang du temps, ça permet de tout simplement faire ça avec ces blocs-là. Les faire disparaître. Et là, on a des loups-garous. Voilà. One shot en deux coups. J'ai rien compris, j'ai pas compris à sa vie, comment qu'il est mort d'un coup. Voilà, il est mort. Cool. Et là, il y a un coffre qui pop. Ouais, je connais le début parce que, comme je vous ai dit, je les record. Mais ça a arrêté parce que ça avait plus de place sur le disque dur. Ouais, voilà. Et voilà, une petite clé. Je prends ça et un petit cœur. Même si ça sert à rien. Donc, avançons. Et on va aller. On va aller là-haut. Je crois qu'il y a une porte verrouillée. Non, elle n'est pas verrouillée. Donc, on va aller voir quand même. Ah! Un sale fosse. Voilà. On fait attention. Allez, viens, viens. Wow! Yeah! Dans ta gueule, sale con. Pardonnez-moi. Je me laisse emporter. Oh là là. Bon, ça, c'est une énigme que j'ai galéré pendant l'essai du premier épisode. Le premier tournage, avant que ça plante. Peut-être ça va planter déjà là. Je sais pas. Mais bon. Je sais, Navi. Je les ai vus. T'es vraiment chiante parfois, Navi. On va le tirer là-bas. Mais il me semble qu'il faut pas le tirer trop loin. Il me semble que ça sert à rien de suivre les flèches avec celle-là. Il me semble. Par là? Oui, c'est ça. Ça servait à rien de suivre les flèches. Il y avait ça. Il y a deux blocs. Puis c'est juste pour te bloquer qui te met les flèches. Voilà. Allez, montons, montons, montons. Je crois qu'il y a un bloc, pas par là, mais par là-bas. C'est là, mais attends, il y a un autre là. Pas. Peut-être que si. Je tire comme ça. C'est pas ce bloc-là, ça je sais. Je crois que c'est par là. Il faut que je monte par là. Allez, montons. Bon, allons par là. Parfait. Allez, on pousse. C'est celle-là, normalement. Bon, c'est vraiment des couloirs assez étroits. Ouais, c'est ça. Si on l'avait pas tiré, on n'aurait pas pu passer avec ce bloc-là. Vous pouvez voir à côté. Parfait, on a la suite. Ça sert à quoi? Ok, c'est pas un checkpoint. Je ne me rappelais point. Mais bon, c'est cool. Montons, montons, montons. On va aller par là-bas. Bon, il y a ces mobs-là, on s'en fout. Ils nous servent à rien. Voilà, on ouvre la porte et on va là-bas. Je crois qu'elle va nous dire, attention, il y a des mobs avec des... Ouais, c'est ça. Prends garde à l'ombre des dessus... en dessous des monstres. Voilà. Et on a, tout simplement, la clé du boss. Voilà. J'en ai pas vraiment parlé au début, mais...
À partir de la phase adulte, on a tout simplement des clés de boss. Voilà, on tombe là. Je sais pas si c'est la suite. Hop, dégage. Voilà, dégagé. Voilà, ils sont tous morts. Et ça ouvre cette petite porte. Je ne sais pas c'est où la suite. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Un zombie. Si je joue le chant... Jouons le chant du soleil. Ok. Juste pour le monsieur. Parce que ça sonne les zombies. Le sang du soleil. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et on a un magnifique petit coffre. C'est quoi qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Une petite clé. Il y a vraiment beaucoup de petites clés dans ce donjon. C'est horrible. C'est fou. Ou horrible. Comme que vous voulez. Je voudrais juste avoir le premier objet de donjon puis arrêter là. Je pense que ça va être un magnifique épisode. Et là, ça inverse la salle. Ok. Allez, par là. Est-ce que je peux monter là-haut? À quoi ça sert? Ah, ça sert pour passer par là, j'imagine. Ou pas? Ah non, ok. Bon, je sais pas à quoi ça servait, mais bon, je l'ai fait. Pas grave. Allez, montons. J'ai pas compris à quoi ça servait ou où j'étais. Là, on a inversé cette salle-là. Vous allez voir. Oh. Bon, moi, ça fait pas... Ça fait comme... Ça me fait vraiment penser à... À Majora's Mask. Pour le coup, le temple inversé. Au début du jeu, quand on rentre dans Termina... Pour ceux qui connaissent, vous comprendrez. Et je crois qu'on va avoir le premier objet du donjon ici. Ben, en fait, l'objet du donjon. Dans cette porte. Il faut qu'on fasse attention pour pas tomber, je crois. Même si lui peut marcher, nous, on peut pas. Allez. Allez, viens. Parfait. Là, on en a deux, il me semble, ici. Après que ça soit descendu. Ouais. Puis on doit les buter environ en même temps. Donc, ça veut dire que... Qu'on doit les tuer... bon, en même temps. Je sais pas si ça fait quelque chose à eux. Non, on dirait pas. Voilà. Et là, il y a l'autre habité. Vous voyez que le cadavre reste là, donc il faut vraiment qu'on le bute. Allez, viens. Voilà, parfait, on l'a eu. Et on débloque un gros coffre que vous pouvez vous en douter si vous connaissez le jeu. C'est tout simplement l'arc des fées. Et on a eu l'arc. Bon, il nous apprend comment l'utiliser pour le brandir, maintenir ses blablabla. Ça nous prend des flèches, évidemment.
vu que c'est un arc, donc c'est normal que ça nous prenne des flèches. Parfait. Et puis voilà. On va s'arrêter là. Mais avant toute chose, on va poser un petit téléporteur, je pense. Voilà, on a posé un petit téléporteur, donc quand je vais reprendre l'épisode, il me suffira de me téléporter. Ça va être parfait. Bref, en espérant que cet épisode vous ait plu, n'hésitez pas à, comme que je dis d'habitude, liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. Commenter pour des trucs, des astuces. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour rester au courant des prochains lives, actualités, vidéos, tout ça, tout ça. Désolé pour le manque de vidéos, de lives ces temps-ci, j'ai commencé un nouveau taf, donc c'est un petit peu galère pour moi. Puis c'est ça, et la prochaine fois, on va continuer tout simplement ce donjon, le temple de la forêt. Voilà. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, amusez-vous bien surtout, et bye tout le monde, allez, bye bye.